Bonjour, commandant. Suite aux récentes incursions extraterrestres, ce conseil de nation a décidé d'avaliser la mise en place du projet XCOM. Cette initiative est maintenant entre vos mains. Nous comptons sur vous pour superviser notre première et dernière ligne de défense. L'avenir de la planète dépend en grande partie de vos efforts. Tâchez de ne pas l'oublier. Bonne chance, commandant. C'était la dernière transmission, monsieur. Passez-moi Vaudou 3-1. Votre destination est l'Allemagne. Aujourd'hui, à 19h, heure locale, des objets non identifiés sont tombés sur Terre. Après avoir écarté la thèse du satellite défectueux, on pense maintenant que ces objets sont d'origine extraterrestre. Peu après l'impact, le gouvernement allemand a reçu des rapports d'hystérie collective et de météo anormale dans la zone de l'impact. Puis plus rien. À 21h, un hélicoptère de reconnaissance allemand a été abattu en survolant la zone après avoir signalé une attaque. Bien sûr, l'Allemagne est un membre du Conseil et nécessite donc notre intervention. Notre mission consiste à évaluer la situation, vérifier la condition de l'équipe de reconnaissance et enquêter sur les objets extraterrestres. Terminé. Centrale, ici Rapace. On a trouvé le site du crash. Bien reçu, Vaudou 3-1. Vous voyez quelque chose? Négatif. Rien en vue pour l'instant. Ok. Posez-vous à côté. Recevez tout ça? 5 sur 5, escouade Delta. Pour l'instant, déployez-vous et mettez-vous à couvert. Vous pourriez avoir de la compagnie. Delta 1, passez devant. Mettez-vous à couvert derrière les décombres en face. Bien. Maintenant, approchez-vous du véhicule. Delta 2, à vous de jouer. Allez jusqu'aux décombres. Pas idéal comme protection, mais c'est déjà mieux que rien. Il y a un abri droit devant vous. Essayez de l'atteindre. Centrale, je vois quelque chose. À 30 mètres au nord de ma position. Une voiture de police. Parfait. Avancez jusqu'au véhicule suivant pour avoir une meilleure vue. Delta 4, allez voir. C'est assez loin de votre position. Que voyez-vous, Delta 4? Répondez. Je crois que c'est un des éclaireurs. On dirait que quelque chose... C'est un des vôtres, Delta 4? Négatif. C'est quelqu'un d'autre. Docteur Vallon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Aidez-moi. La transmission vient de quelque part au nord de leur position. D'après l'intensité du signal, la source doit être dans un bâtiment. Merci, docteur. Delta, introduisez-vous dans ce bâtiment. Et surtout, restez à couvert. Centrale, il y a beaucoup de sang ici. Bien reçu. Trouvez d'où il vient. Centrale, je crois que j'ai trouvé un autre éclaireur.
ou ce qu'il en reste. Mais c'est pas normal. On dirait qu'il est mort depuis une semaine. La cause de sa mort est encore plus étrange. Il semble avoir été éviscéré par quelque chose qui était en lui. Centrale, j'ai l'objet en visuel. Permission d'approcher. Ça pourrait être dangereux, mais c'est le seul abri entre vous et ce bâtiment. Permission accordée. Parlez-moi, soldat. Qu'est-ce que c'est ? Je peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est sûr que c'est... Bien reçu. Bon, Delta, vous êtes presque au bâtiment. Continuez. Ok, soldat. Rentrez à l'intérieur. Delta 1, jetez un coup d'œil par la fenêtre devant vous. En position. Rien à signaler. D'accord. Entrez et mettez-vous à couvert. Delta 2, cette porte gêne. Défoncez-la. Reçu 5 sur 5. Centrale, on voit la cible. Il est armé. Bien reçu, Delta 3. Mettez-vous en position autour de lui. Mais gardez vos distances. Docteur, essayez de communiquer avec lui. Dites-lui de lâcher son arme. Entendu. Allô ? Können Sie mich hören ? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Bitte lassen Sie Ihre Waffen fallen. Il a l'air d'être en état de choc. Restez vigilant. Je n'aime pas ça du tout. Delta 3, désarmez-le. Soyez prudent. Centrale, on s'est attaqué par plusieurs ennemis. Je suis coincé. Je m'en prends plein la gueule, là. Attention. Delta 2, il vous contourne. Changez de position. Ok, Delta 2. Préparez-vous à tirer à mon signal. Bien joué. Delta 4, vous avez le champ libre. Sortez de là et mettez-vous à couvert. Envoyez la grenade sur l'ennemi qui est en face. Préparez-vous pour leur contre-attaque. Attention, Delta 4, il y en a un autre qui arrive derrière vous. Bon sang. Il n'y a plus que vous maintenant, Delta 2. Il faut retourner la situation à notre avantage. Trouvez une position pour attaquer sur les flancs. C'est bon. Vous avez le champ libre depuis cette position. Feu! Centrale, je crois que c'est fini. Je les ai eus. Bien reçu, Delta 2. Rassemblez les corps et retournez au Mercure pour extraction immédiate.
Affirmatif, on rentre au bercail. Je ne sais pas vraiment, mais ils ont massacré nos meilleurs soldats. Vous m'excuserez, docteur, le commandant m'attend au centre de contrôle. Leur technologie dépasse de loin la nôtre. Eh bien, nous savons ce qu'il nous reste à faire, docteur. Bienvenue au QG d'XCOM, commandant. Je suis l'officier Bradford. J'ai deux rôles dans ce projet. Vous fournir un appui tactique lors des opérations et vous tenir informé de la situation. Mon travail devrait vous permettre de vous concentrer sur vos missions. À ce propos, un de nos soldats attend sa promotion dans la caserne. Vous devriez y aller. Commandant, on vous demande à la caserne. Commandant, à la caserne. Commandant ? Le soldat vous attend dans l'armurerie. C'est une section de la caserne. Un seul membre de l'escouade Delta est revenu vivant de notre dernière mission, commandant. Je dirais que ça mérite une promotion. Comme vous le savez, commandant, tous les soldats sont différents. Par exemple, celui-ci a une affinité pour les armes lourdes. Il devrait continuer à s'entraîner dans ce domaine à mesure qu'il gagne de l'expérience en combat. Ce soldat sera maintenant équipé d'un lance-roquettes en plus de son arme standard. Il va y avoir du grabuge. Oh, le docteur Vallon vous demande dans l'unité de recherche. Ça a l'air important. Le commandant est demandé à l'unité de recherche. Bonjour, commandant. Je suis le docteur Vallon. Je gère l'unité de recherche. C'est là que tous les projets scientifiques d'XCOM se déroulent. Nous sommes en train d'analyser les artefacts obtenus lors de notre premier contact avec les extraterrestres. D'après nos résultats initiaux, nous pensons qu'il est possible de les adapter à l'équipement des soldats. Avec votre accord, nous commencerons le travail tout de suite. Merci, commandant. Ces recherches vont prendre du temps. Nous vous préviendrons quand elles seront terminées. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Le commandant. Quelqu'un d'autre a besoin de vous. Au revoir, commandant. Si jamais vous obtenez d'autres artefacts lors de vos opérations, je serai ravi de les étudier. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Le commandant au centre de contrôle. L'ennemi nous donne du fil à retordre, commandant. On nous signale des attaques simultanées dans deux pays différents. On ne peut en aider qu'un seul. Le soutien de la nation choisie augmentera en retour, mais celle qu'on ne peut pas aider verra son indice de panique grandir. Je sais que ce n'est pas facile, commandant, mais vous devez faire un choix. C'est compris. Les soldats vous attendent dans le hangar. Commandant, avant d'envoyer une escouade en mission, vous pouvez choisir les soldats qui seront déployés. Je me suis permis de sélectionner notre vétéran. Grâce à son expérience, c'est un atout de taille en combat.
Déployez-vous, Strike One. Un instant, soldat. Avant de vous déployer, vous devriez inspecter le bâtiment. Laissez votre coéquipier le faire, il est plus proche. On my way. Bien, ouvrez la porte. Doucement, ne révélez pas votre position à l'ennemi. Ok, mettez-vous à couvert. Parfait. Maintenant, placez un homme sur le toit. Essayez de trouver un accès, soldat. Ils sont là. Vous autres, continuez d'avancer vers l'ennemi en restant à couvert. Attendez mon ordre pour tirer. A la orden, comandante. Afirmativo. Moving. Vous donnera les ordres lors de l'exploration de la zone. Je fournirai les conseils tactiques nécessaires. N'oubliez pas, votre armure ne tiendra pas plus de quelques coups contre leurs armes. Donc restez discret et ouvrez l'œil. Bonne chance. Je me magne. Ubicación confirmada. Heading there now. Paso ligero. Notre vétéran devrait pouvoir détruire l'abri des extraterrestres avec son lance-roquette. Avec un peu de chance, l'impact tuera les extraterrestres par la même occasion. Enfin, s'il réussit à toucher la cible. Es hora de correr. Ojo al blanco. Rien de grave, soldat.
Mais encore un tir comme ça et vous y passerez. Alors restez à couvert. Visez bien, soldat. Vous n'avez droit qu'à un coup. C'était du bon boulot, Strike One. Commandant, nous pouvons commencer à étudier les nouveaux artefacts immédiatement, si vous le souhaitez. Mon équipe n'attend que vos ordres. En train de décharger les artefacts que vous avez récupérés. Mon équipe attend vos ordres, commandant. Commandant, on reçoit une transmission de la part du Conseil. Bonjour, commandant. Nous tenions à vous féliciter pour votre victoire. Nous sommes conscients de la position délicate dans laquelle vous vous êtes retrouvé et nous sommes totalement satisfaits de l'efficacité de votre intervention. Nous vous avons fait parvenir la récompense promise. Au revoir, commandant. Je vous souhaite bonne continuation. Le Conseil sait que vous avez fait le bon choix, commandant. Avec les ressources qu'on a actuellement, on est assez limité. Par contre, l'ingénieur en chef a quelque chose pour vous aider à gérer la situation. La salle de surveillance a été conçue pour observer en continu les nations qui appartiennent au Conseil. Si jamais on laisse l'indice de panique d'un de ces pays dépasser la norme, il se retirera du Conseil et il faudra qu'on se passe de son soutien. La confiance que le Conseil voue au projet XCOM est représentée par la jauge au-dessus de l'écran principal. En gros, son niveau reflète nos performances. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Le commandant au centre de contrôle. Commandant, le docteur Vallen dit que les recherches avancent bien au labo, mais qu'il lui faut encore du temps pour achever le projet. En attendant, notre réseau satellite local vient d'être activé et peut commencer à chercher des signes d'activité. Ça pourrait prendre plusieurs jours. Commandant, les schémas du système de vise et scope sont terminés. Nous les avons transmis aux ingénieurs. Commandant, ce projet terminé, mon équipe n'a rien à étudier dans l'immédiat. J'aimerais passer à l'autopsie des cadavres d'extraterrestres que vous avez ramenés lors de vos dernières missions. Vous conviendrez sûrement que si nous voulons vaincre les extraterrestres, nous devons comprendre leur physiologie. Merci, commandant. Je vous préviendrai dès que nous aurons des résultats. Le département d'ingénierie est opérationnel. Oh, les hommes du docteur Chen ont enfin compris comment allumer leur machine. Commandant, on vous demande au département d'ingénierie. Ah, commandant, j'attendais justement votre visite. Bienvenue dans l'ingénierie. Tout ce que les scientifiques peuvent imaginer, nous le créons ici. À ce propos, le docteur Vallen nous a envoyé des schémas. Avec votre accord, nous commencerons la production. La
La fabrication du scope est terminée. Nous l'avons déjà livré à l'armurerie. Commandant, on vous demande à la caserne. Commandant, à la caserne. Dès que les ingénieurs finissent un projet, le nouvel équipement est livré directement à l'armurerie. Le commandant est demandé à la salle de surveillance. Le commandant à la salle de surveillance. Commandant, le conseil aimerait vous parler. Commandant, nos sources ont identifié un certain nombre de rapports au sujet du transport et de la dispersion par les aliens d'une substance inconnue près des zones à forte population civile. Vous devez impérativement enquêter sur cette activité et déterminer à quoi sert la substance alien. Nous vous transmettons les détails dans un instant. On dirait qu'on a du boulot. Excellent. Nous avons hâte de voir vos progrès. Pour atterrissage. La France nous a envoyé une requête urgente. Cet objet est différent des autres. Il ne ressemble pas aux capsules que les aliens utilisent pour leurs opérations d'enlèvement. Si nous le récupérons, il nous apportera peut-être des informations utiles. C'est apparemment une sorte de récipient. Nous supposons qu'il dispose d'un mécanisme interne d'autodestruction, comme le reste de l'équipement alien. Mais il a déjà dû être désactivé. Attention, commandant. Activité ennemie confirmée dans cette zone. To position. Enemy spotted. Marcha. La signature énergétique de cet appareil indique que le mécanisme d'autodestruction est intact et prêt à fonctionner. Vous devez aller le récupérer au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Going out.
Excellent travail, commandant. Cela devrait nous fournir une bonne réserve de substances à analyser. Baja confirmada. Il y a peut-être d'autres conteneurs comme celui-ci dans la zone. Plus nous en aurons, plus nous en apprendrons sur ce qu'ils contiennent. Le module d'autodestruction des autres sera peut-être encore actif. Prudence. Les docteurs ont sûrement hâte de se mettre au travail. N'oubliez pas, nous vous observons. Le commandant à la salle de surveillance. Bonne nouvelle, commandant. Le Conseil nous a fait cadeau d'un satellite. Comme notre terminal de liaison peut gérer deux satellites à la fois, je vous conseille de lancer le nouveau tout de suite. Les terminaux de liaison satellite ont atteint leur capacité maximale. Notre couverture globale est bien meilleure grâce à ce satellite supplémentaire. Vous devriez en profiter tout de suite pour chercher des signes d'activité extraterrestre. De nouveaux terminaux sont nécessaires. Qu'on risque la vie de nos hommes pour capturer une de ces créatures vivantes? Oui. Sans spécimen vivant, j'ai bien peur que mon équipe ait déjà atteint les limites de ce qu'elle peut accomplir. Et comment on est censé faire ça, docteur? L'autopsie que je viens de terminer confirme que les extraterrestres ont une physiologie semblable à la nôtre. Un courant électrique concentré et administré de près devrait causer une incapacité neuromusculaire en perturbant le... De près? Et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Vous pensez vraiment que ça en vaut la peine? Bien sûr. Nous ne connaissons pas notre ennemi. Comment peut-on combattre quelque chose qu'on ne comprend pas? Si nous capturons l'une de ces créatures, nous pourrons peut-être communiquer avec elle. Et l'interroger. Apprendre ce qu'ils veulent et où se trouve leur base. Oui, cette perspective vaut bien tous les risques. Je peux construire une enceinte sécurisée pour détenir le captif, mais je ne sais pas comment nous pourrions communiquer avec lui. Aucun problème, je m'en chargerai. D'accord, j'en parlerai au commandant.
Commandant, j'ai parlé au docteur Vallon et je vous conseille d'organiser des recherches sur un prototype d'arme appelé électroflux. Quand ce sera fait, les schémas seront transmis aux ingénieurs pour fabrication et on pourra ensuite en équiper nos soldats. Le docteur Shen et son équipe attendent également votre accord pour construire l'enceinte de confinement dont on aura besoin pour détenir les extraterrestres. Commandant, on vous demande au département d'ingénierie. Commandant, vous savez sûrement que le docteur Vallon veut que vous capturiez un extraterrestre. Bonne idée. Sauf que nous n'avons aucune structure adaptée à la détention d'un spécimen vivant. Avec votre accord, mon équipe commencera à aménager une zone appropriée. Merci, commandant. Je vous préviendrai quand l'enceinte sera prête. Le docteur Vallon vous demande, commandant. Elle veut sûrement vous expliquer son plan personnellement. Le commandant est demandé à l'unité de recherche. Commandant, vous savez sûrement ce que je veux. Avec votre permission, nous nous mettons tout de suite au travail sur l'électroflux. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Commandant, on capte plusieurs transmissions radio indiquant qu'un OVNI a été repéré dans la zone couverte par nos satellites. On devrait passer en phase de repérage au plus vite. Couverture satellite déployée. On a bien fait de lancer ce satellite. On détecte un vaisseau rapide non identifié. Si on envoie un avion tout de suite, on devrait pouvoir l'intercepter. On a repéré l'ennemi. Ici Vaudou 3-7. La cible 001 a été abattue. Je répète, l'OVNI a été abattu. Vous me recevez? À vous. Bien reçu, Vaudou 3-7. Bien joué. Terminé. Bon, écoutez, recentrez le satellite de reconnaissance Bravo sur le site du crash. Il s'apprête à passer au-dessus, monsieur. Ça y est, c'est bon. Grossissez. Il est intact. Commandant, je recommande d'envoyer une équipe d'assaut immédiatement. Notre cible se trouve près de la frontière allemande. On dirait que les extraterrestres se sont écrasés dans une zone peu peuplée. S'il y a des civils dans le coin, j'espère qu'ils garderont leur distance. Ici Rapace, on est juste au nord du site du crash. Strike One est en position pour attaquer. Bien reçu, Rapace. On va surveiller les signaux d'ici. Strike One a la permission d'attaquer le vaisseau extraterrestre. I'm rolling. Le site du crash est droit devant. Attendez-vous à une forte résistance. On n'a aucune idée du nombre d'ennemis qui pourraient être à bord. Approchez prudemment et montez à bord si possible. Contact.
in position. Affirmative. Moving out. That's what we're looking for. Okay. Cut him down. Le vaisseau est intact, et certaines parties sont protégées par une sorte de champ de force. Il va falloir trouver une ouverture. Ok. Cette créature émet des signaux absolument extraordinaires. Je crois que c'est la source d'énergie principale du vaisseau. Je ne peux qu'imaginer la puissance qu'il doit produire pour propulser cet appareil. Faites attention où vous tirez, ce dispositif pourrait être très instable. Vous l'étudierez quand il sera mort, docteur. Débarrassez-vous de lui. Mission accomplie. Incroyable. Il s'est volatilisé.
Bonjour, commandant. J'aimerais vous parler de notre flotte d'intercepteurs. Assurez-vous d'avoir toujours quelques avions prêts à décoller. Il y aura sans aucun doute d'autres ovnis à intercepter et il y a de grandes chances que nous subissions des pertes. J'aimerais aussi vous faire remarquer qu'un escadron entier d'intercepteurs ne sert à rien si nous sommes incapables de localiser l'ennemi. Nous aurons besoin d'une meilleure couverture satellite pour détecter les vaisseaux extraterrestres partout dans le monde. Rendez-nous visite en ingénierie si vous souhaitez fabriquer de nouveaux satellites. Au revoir, commandant.